En 2002, le chanteur Nick Carter aurait abusé sexuellement de la chanteuse Melissa Schumann, âgée à l'époque de 18 ans. Dans un témoignage poignant, la chanteuse a raconté son agression. Après Harvey Weinstein, Que Vince Passait, Ed Westwick et bien d'autres, c'est désormais au tour du chanteur Nick Carter, célèbre pour être l'un des membres du boy band des Backstreet Boys, d'être accusé de viol. Selon l'ancienne chanteuse du Dran, Melissa Schumann, le chanteur l'aurait invitée avec une amie à son domicile de Santa Monica. Après quelques verres d'alcool, il aurait commencé à l'embrasser et l'aurait forcé à avoir des rapports sexuels oraux avec lui. Au moment de ces faits survenus en 2002, Melissa n'avait que 18 ans. Elle affirme avoir plusieurs fois répété au chanteur, alors âgé de 22 ans, qu'elle ne souhaitait pas avoir de relations sexuelles avec lui et qu'elle voulait rester vierge jusqu'au mariage. Nick l'aurait cependant amené de force dans sa chambre, avant de la violer. Il était implacable, refusant de prendre mon nom pour une réponse. Il était lourd, trop lourd pour que je puisse m'enfuir. Puis je l'ai senti. Il a mis quelque chose à l'intérieur de moi, c'était fait. La seule chose que j'avais tenue comme une vertu avait été ruinée, je voulais croire que c'était une sorte de cauchemar, que j'étais en train de faire. A ainsi expliqué Melissa, dans un témoignage poignant diffusé sur WordPress.